Je vais enseigner sur le vol d'étoiles aujourd'hui. D'aider. Mets ton sujet de prière ici. Parfois, j'ai mis une vidéo sur TikTok là, j'ai dit. J'ai mis une vidéo sur TikTok dans laquelle je disais, je parlais du vol d'étoiles. Non, je parlais de prière. Pourquoi votre prière ne marche pas? Et beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous ignorez en fait. Tu dois d'abord savoir même ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, là, c'est chaud. Mets à notre sujet de prière. Bonjour, bonjour à Facebook. Je vais enseigner sur le vol d'étoiles. Dédé, tu vois ton problème. Tu dis, tu es dans le désespoir, je vais perdre ma maison et mon mari va, on va se séparer. J'ai 4 enfants. Quand les gens venaient à Jésus, Jésus demandait, qu'est-ce que tu veux? Le désespoir ne me fait ni chaud ni froid. Tu as compris, ma chérie? C'est quand tu te trouves au fond du trou que tu dois apprendre. Premièrement, tu apprends à prier. Deuxièmement, tu apprends à demander, qu'est-ce que je mérite? Quand les gens venaient à Jésus, ils disaient, oh Seigneur, aide-moi. Jésus se tourne et dit, que veux-tu? Quand il est parti à Bethsaida, il a vu le monsieur là, Jean chapitre 5. Il dit, veux-tu être mieux? Nous déclarons que tu ouvres ton rêve de réaliser ton salon, d'ouvrir ton salon de coiffure. Que tout blocage pour cette ouverture soit enlevé au nom de Jésus. Cherche une boisson, ça peut être le Fanta, ça peut être la bière ou bien le vin. Tu verses ça sur la terre et tu parles à la terre. Tu demandes à la terre de te donner la faveur au nom de Jésus. Voilà. Hermès, tu veux te marier, tu veux la restauration. Au nom de Jésus. Je veux un changement, repartir de zéro, être libéré. Vous voyez. Vous devez apprendre à prier. Très important. Matthieu dit, demandez et vous recevrez. Maintenant, pour recevoir, tu es déjà arrivé au McDo, tu as dit, donnez-moi la nourriture. On a pourtant t'a donné. Madame, vous voulez quoi? Madame, vous voulez quoi? Je veux un burger avec du bœuf, ça là, je veux le Big Mac. Pas d'oignon, mais vous mettez du bacon, je sais pas. Là, tu poses une commande spécifique. Quand vous dites rien ne va dans ma vie, quand quelqu'un dit que rien ne va, ça veut dire que, premièrement, il y a la pauvreté. Et si tu te retrouves pauvre, c'est parce que tu n'as pas voulu maîtriser les lois spirituelles. L'argent ne vient pas dans ta vie par hasard. L'argent vient sur commandement. Parce que tu as vu, tu as parlé. Même pour le boulot, non. Est-ce que tu as vu quelqu'un dans un poste particulier, s'il n'est pas parti? Pardon. Ok, supposons que tu as le visa pour un pays. Tu as vu quelqu'un rester chez lui. Il n'a même pas le passeport. On vient toquer à sa porte. Bonjour monsieur.
L'ambassadeur de France a eu un songe. Il vous a vu en rêve. Il a envoyé qu'on vienne vous donner le passeport avec le visa. Voilà votre visa pour la France. Le jour où vous trouvez déjà l'histoire là, vous venez me dire pardon. On sait tous que ça n'arrivera pas. On sait que ça n'arrivera pas. Il faut que tu te lèves, tu peux faire ton passeport. Tu cherches la liste. On te dit, il faut ça, ça, lettre d'hébergement, certificat d'invitation, je ne sais pas. Lettre d'invitation, certificat d'hébergement, tout ça. Tu coches tout ce qu'il y a dans la liste. Tu portes, tu viens, tu déposes. Et tu payes même les frais de dépôt. Frais de demande de visa. Vous priez après. Oh Seigneur, j'ai demandé au nom de Jésus. Que ben, le nom de Jésus a tout payé. Voilà ce que vous dites. Il faut attendre que le nom de Jésus paye. Tu demandes le visa pour un autre pays, tu payes. Tu viens faire la requête à Dieu. Sans rien. Prends-nous la bouteille d'eau Tanguy de 500 francs. Verse au sol. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous allez écouter ce qu'il dit là. Écoutez, hein. La spiritualité, c'est une science exacte. Et je pense même que c'est la première des sciences. Quand vous faites les maths, vous dites qu'à chaque coup, 1 plus 1 sera 2. Le spirituel, c'est comme ça. La spiritualité, c'est comme ça. Et même si tes parents ne t'avaient pas appris, apprends toi-même. Tu n'es pas tombé sur ma vidéo par hasard. Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais appris les choses. Mais attends un peu, mais. Ah bon? Tu as présenté à l'église catholique. Tu ne touchais même pas la Bible. C'est le prêtre qui disait pour vous. C'est le prêtre qui disait. Et ça, ce sont les choses qu'on ne veut pas que vous connaissiez. Parce qu'ils savent que si tu connais déjà que tu peux te lever toi-même, tu n'as pas l'argent. Tu peux même prendre l'eau dans le puits. Tu pries sur l'eau là. Tu prends le sel de 25 ou de 10 francs. Deux pincées de sel. Tu mets dans l'eau. Tu te laves avec. C'est comme ça que tu commences à te libérer. Je brûle des encens. Je brûle pas tout le temps des encens. Purifie l'atmosphère, c'est l'un des mauvais esprits. Comme tu as appelé, la relève-toi, ma chérie. Tout ça, c'est petite histoire. Dans quelques temps, tu vas regarder ton frère, tu vas dire, hé. Donc, c'est moi qui souffrais comme ça avant. Parce que tu ne connaissais pas. Voilà. Donc, bienvenue, je vais enseigner sur le vol d'étoiles. Donc, partagez ma vidéo, merci pour les likes. Baby, calm down, et laissez tous mes trépieds en bas.
Je vais enregistrer, c'est pour ça que je mets d'abord ça. Et puis, je vais commencer. Je vais enseigner dessus parce que hier, je parlais avec une cliente et elle aime faire... En fait, cette dame était trop simple. Ça m'énervait parce que... Dis, bah, attends. Tous les enseignements que je mets là, je mets alors ça pour qui? Ok, Amato. Grâce à mes enseignements, tout le monde veut t'approcher. Je rends grâce au Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est que le début. Les directs sont aux approximatifs, aux heures approximatives de quelle heure? De 6h37. Mais parfois, je fais au pif, ma chérie. Si tu tombes sur moi, tu es tombé sur moi. Ok. Voilà. Donc, bonjour. Je prie que le Seigneur puisse me permettre de vous passer ce message de façon correcte. Je viens chasser toute mauvaise onde, toute onde négative de cette vidéo. Je vais vous faire un récapitulatif du vol d'étoiles et après, je vais rentrer dans les détails de l'enseignement. Donc, je parlais avec une dame hier et lors de la consultation, elle faisait qu'elle me dit que elle n'a plus d'étoile. Oh, même si j'avais une étoile, ça c'est déjà parti. Oh, on allait voler mon étoile. Oh, quand j'étais jeune, j'avais les ministres qui me convoitaient. Oh, je ne pouvais pas faire une journée comme ça, passer un carrefour, sans que un ministre s'arrête. Ou bien un directeur d'entreprise. Voilà. Finalement, je suis parti, j'ai épousé un professeur d'école. Et elle s'en voulait parce qu'elle se disait que elle a peut-être, ça fait, elle a fait 17 ans ce professeur d'école, de 17 à 22, de 22 plus 17, donc elle approche la quarantaine. Donc, ouais, et elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant parce qu'elle dit que quand elle avait 17 ou 19 ans, elle est tombée enceinte, sa tante a su et elle a dit à sa mère et on l'a forcée à voter. Donc, elle dit, voilà, ils m'ont pris mon enfant, ils m'ont pris mon étoile, voilà. Ok, donc, je sais quand j'ai parlé de vol d'étoile sur TikTok, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de controverses. Parce qu'il y en a qui disent, on ne vole pas l'étoile, ok. Je vais prendre un passage biblique. Je vais d'abord vous donner les signes pour savoir qu'on a, que vous êtes bloqué. Ok. Et je veux préciser que l'étoile ne peut être que couverte. Voyez une étoile comme une ampoule. Si la bougie c'était une ampoule qui ne s'éteint jamais, je prends, je mets en bas du lit, la pièce est noire. Je prends, je dépose au-dessus de la moire. Tout le monde dans la maison est illuminé par cette ampoule. Donc c'est ce que j'ai fait de l'ampoule qui a déterminé si on voyait l'ampoule ou pas. Mais à aucun moment, j'ai oublié le pouvoir d'éteindre l'ampoule. Voilà. Donc les signes, c'est quoi? Tu peux rêver tout le temps que tu te vois avec les présidents. Tu te vois avec les stars. Tu rêves, tu te vois avec Emmanuel West. Tu te vois avec Jacques Chirac. Tu te vois avec... Pensez à un ancien président. Même un président actuel. Tu peux rêver, tu te vois avec Beyoncé ou Rihanna.
Mais quand tu te réveilles de là, mon inodé, tu souffres. Tu souffres. On a aussi touché à ton étoile dans le cas où, depuis que tu es jeune, tu as toujours été sujette à, assujetti de, à beaucoup de jalousie dans ta famille. En fait, tu es toi seulement là, tu es seulement là, you know. I'm just being myself, you know. Je suis seulement moi. J'ai ma tante qui est toujours là et me jalouse. J'ai ma... Qu'est-ce que je vous ai fait? Donc, tu veux dire toi. Et ça va venir parfois avec les faux compliments. Vous ne pouvez pas faire comme, regardez, faites comme Nathalie, non. Hey Nathalie, tu, regarde comment tu es bien. Hey Nathalie, ah, si mes enfants étaient aussi comme toi. Et tu sens dans la personne là que la personne ne sait même pas. Tu sens ça. Yeah, c'est, généralement, c'est les tantes et les oncles. Beaucoup. Beaucoup de tantes et d'oncles. Et cette jalousie conduit à parfois des actes qui vous attaquent publiquement. Donc, on te lance des paroles. Tu échoues peut-être un examen, voilà, on se moque de toi pour rien. Alors, c'est toi qui échoues. Ton mariage échoue. Au lieu de pleurer ton mariage, tu vois comment ils vont venir pour te déranger. Et quand ils font ça, tu sens une douleur. C'est comme s'ils avaient les flèches qui voulaient lancer spécifiquement sur toi. Voilà les cas où tu vois que ton étoile est attaquée. Il y a aussi le cas où tu as ta mère ou un de tes parents est mort très tôt. Ce qui fait que Ashley, tu pourras participer. Dans environ 10 minutes, je vais arrêter ce que je dis là. Je vais enseigner pour enregistrer. Après ça, tu pourras me raconter ton histoire. Tu as compris? Même Facebook, s'il y a des gens qui veulent participer. Donc, dans peut-être 5 minutes, vous allez pouvoir faire la demande. Donc, peut-être tes parents, les personnes qui pouvaient vraiment te guider dans cette vie, sont morts très tôt. Voilà un des moyens par lesquels on a attaqué ton étoile. Parce qu'on sait que sans père ou sans mère, comme ça, te voilà à 19 ans, tu as les prétendants. L'âge où on n'aurait même pu aller lancer la coupe pour toi, prier, jeûner pour toi, demander les mêmes actions de grâce, ou bien faire des... Non, tu es là, tu es perdu. Ça a 35 ans que tu le réveilles. 4 enfants, 3 pères différents, 3 mariages datés. Les gens te voient, ils n'arrivent pas à croire. Que mes machines, tu étais la fille la plus intelligente de notre classe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vol d'étoile. Aussi pour savoir, il y a une époque où tu avais beaucoup de joie. Et tu n'as même plus la joie de vivre. Là, maintenant, les 6 heures, quand tu tombes sur ma vidéo, cela. C'est comme ça pour le goût de la vie. C'est bizarre. Tu n'as plus la force que ça va rester. Tu n'as même plus l'espoir que quelque chose se passe. Tu es aussi là. Dès qu'on dit que ça, tu dis, ah, pardon. Maman, j'ai essayé ça, même si une fois, pardon. Peut-être le mois, si tu vas concevoir. Hein? Depuis 15 ans, tu vas avoir l'enfant là. Pardon. Laissez-moi vous dire, pardon. Tu n'as pas. Tu ne te sens pas protégé. Tu n'es même pas protégé. Parce que pour voler ton étoile, pour t'attaquer ton étoile, ils vont venir enlever tous ceux autour de toi qui pouvaient te protéger. Souvent même, tu vas voir un homme très talentueux, utilisé par sa famille. Il rencontre une femme. La femme commence à prier pour lui. Elle commence à faire des lavages sur lui. Et elle le conseille. La famille va aller faire qu'il se sépare de sa femme. Parce qu'on va enlever la personne qui peut l'activer à côté de lui. Oui. Oui, merci beaucoup, Achille. Tu es dirigé vers les mauvaises personnes. Quand on a volé ton étoile, tu fais les mauvais choix. Très mauvais choix. Et le moment où tu as fait les fêtes, tu ne comprends même pas. Il y a un bon gars et un mauvais gars. Tu vas prendre le mauvais gars. Tu as les raisons pour que oh, le mauvais gars est comme ça, comme ça. Parfois aussi, quand tu arrives quelque part où tout le monde fait un truc, ça passe.
Parfois, c'est les trucs les plus bêtes. Hein. Toi, quand tu as dit, tu fais ta part. Ah. On dit qu'il y a le réseau, il y a le réseau pour la Turquie, il y a le réseau. Tout le monde fait la semaine, là, ça passe. Le jour où tu arrives, on dit que l'homme qui faisait ça, on l'a renvoyé. Tu restes aux actifs que yay. Mais aussi pour savoir que ton étoile est bloquée, malgré tous tes grades, tes formations, tes diplômes, pour trouver le boulot, maman. Quand tu finis même l'école, tes enseignants disent que non, avec mention très bien, tu seras employé dans 2 semaines. 5 ans plus tard, te voilà. Et aussi, ta moisson est volée. Tu commences quelque chose, dès que ça va te donner bien. Tu avais un homme, tu as investi sur lui 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand l'homme commence à être bien, elle, maman, il te bloque. Tu fais le papier de quelqu'un, maman. Dès qu'il arrive, mof, il te jette au champ. Donc, tu entretiens une idée. Quand il est l'heure de moissonner ce que tu as semé, moi on appelle ça la moisson volée, tu confirmes le code. Ouais. Et tes finances sont toujours attaquées. Toujours. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo de YouTube. Vous pouvez partager ma vidéo. Ok, je vais mettre ça sur YouTube tout à l'heure. Il y a une dame qui voulait parler, c'est là sur HL, c'est toi qui voulais parler sur TikTok. Sois assez spécifique, je n'aime pas quand il y a un baba de trop. Tu as compris? Bonjour Ashley. Bonjour, voilà. Merci vraiment de me permettre de participer à votre live. Je suis nouvelle abonnée depuis peut-être 3 semaines, mais c'est la première fois que je tombe sur votre live le matin. Bienvenue. Donc je venais apporter. Merci. Je venais apporter un éclairci sur le vol d'étoiles que vous êtes en train de donner comme information. Déjà, je tiens à préciser que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on vole les étoiles parce que, justement, comme vous le dites souvent dans certaines vidéos, nous sommes trop ignorants. Trop ignorants. Alors, moi, je suis une jeune Camerounaise. Je vis actuellement au Gabon. Je parle du Cameroun, j'étais tellement ignorante de ma vie, des choses qui m'arrivaient. Mais je constatais juste des choses, comme vous avez expliqué tout à l'heure, comme quoi je rencontre un grand monsieur quand il veut déjà aller m'épouser. C'est comme si soit c'est moi-même qui provoque la séparation, soit c'est lui qui... Donc, quand je suis avec peut-être les grands gens, parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer vraiment les grands gens du gouvernement. Mais quand celui-là veut déjà aller poser là de mariage, moi-même, je gâte tout. Mais quand je suis avec un pauvre là, je suis là, je souffre. C'est comme si c'est le goût là que j'aime dans la souffrance, dans. Donc, voilà, je voyage donc par le biais d'une tante à moi. J'arrive au Gabon. Quand j'arrive au Gabon, 3 mois après, je rencontre un frère, je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, c'est une grossesse extra-utérine. Mon Dieu, opération, je viens d'arriver au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Maintenant, pendant que je suis avec le frère camerounais, j'avais rencontré un Gabonais autochtone. Vous savez, ici, ils font ce qu'on appelle l'initiation. Nous, au Cameroun, on pense que l'initiation,
c'est une forme de secte. Oui. L'initiation, c'est leur tradition. Comme nous, les Camerounais, on voit peut-être les Bamileke, ils font le culte de leurs ancêtres, des crânes, chez les francs, ou bien les boulous. Vous allez peut-être voir les pygmées qui crêtent avec des herbes. Donc, ici, l'initiation a deux formes. Soit tu entres dedans pour faire dans le vampire, soit tu entres dedans pour te soigner. Voilà comment je rencontre un franc comme ça, un ami. Je lui dis que, ah, parce qu'avant que je vais préciser, avant que je ne tombe enceinte du Cameroun, je cherchais à accoucher. Parce que de toute ma jeunesse, de toute ma vie de jeune fille, je n'avais jamais eu de retard. Je dis que, mais, mon Dieu, tout le monde, toutes mes copines accouchent. Je n'ai jamais avorté. Pourquoi tout ce que moi je veux faire ne vit que vers le mal? Voilà comment je commence à dire, ah, le gars me propose une dame, il me dit, moi j'ai une dame qui m'a soignée. Moi j'étais très malade, la dame m'a soignée. Je dis, je ne peux pas. Moi je suis camerounaise, on nous parle de vos initiations. Mais j'accepte quand même. L'esprit me dit quand même, va écouter, peut-être que la dame peut dénicher des trucs que tu ne connais pas. Mmh. Je n'ai jamais été dans les maisons des marabouts. Je dis, ah. Attends, donc, je ne veux pas trop te couper. Je veux préciser ceci. Les Camerounais ont tellement peur des Gabonais, je ne sais pas, parce que j'ai remarqué que chez les Gabonais, la spiritualité ici est plus répandue qu'au Cameroun. Les Camerounais préfèrent être... Justement. Ils se volaient l'esprit. Ouais, continue. Voilà, justement, c'est ça qui m'a freiné, parce que moi, on me disait, quand tu vas au Gabon, là, tu ne peux pas aller manger les médicaments, tu vas devenir folle. Donc, c'est ça qui me bloquait, le blocus, là. Quand j'arrive chez la femme entre en transe, je mets le pas chez elle, et hey! Je dis, Seigneur, il y a encore quoi? La femme là m'a compté ma vie. Mais même jusque-là, je ne suis pas allée jusqu'à l'initiation. J'ai dit, madame, je suis venue là parce que je veux enfanter, je ne veux pas m'initier. La femme insiste, l'esprit lui demande de me faire initier parce que mon problème est profond. Je dois aller rencontrer mes ancêtres qui doivent me soigner et me remettre. Je ne connais pas où je suis. Si je sais qui je suis, je n'allais même pas refuser de m'initier. Je refuse, hein? Oui. Mais je retourne à la maison. Elle m'a soignée, je réussis à tomber enceinte. Mais parce que je suis bloquée dans ma famille, les crampes, on m'a vendu, on a volé mon étoile. Je fais une grossesse extra-utérine. Pendant que je fais une grossesse extra-utérine, c'est les esprits à elle qui m'ont soigné, m'accompagné déjà. Donc, on la lègue. Elle m'appelle quand je sors de la salle d'opération. Elle me dit, ma fille, je t'ai dit de venir t'initier. L'initiation n'est pas une mauvaise chose. C'est pour te soigner, c'est pour te donner des choses que tu... On t'a volé des bébés parce que toi, on t'a pris ta bébé. Voilà comment je décide, je retourne quand je sors de l'hôpital avec la bande au vent, je m'en vais m'initier. Alors, quand je m'initie ici, pendant le traitement, pendant tout le suivi, je découvre des choses que je ne pouvais imaginer. Comme vous avez dit tout à l'heure, ma propre tante qui m'a fait venir au Gabon a participé à tout ce qui m'arrivait. Mon Dieu, mon roi! Et actuellement, elle est pasteur. Je tiens à préciser, elle est pasteur des églises de réveil. Maman. Donc, pendant qu'on me, on est en train de me faire la délivrance, parce qu'ils ont un truc un peu comme on t'embourbe avec des herbes traditionnelles, les rois des herbes, pour faire parler des mauvais esprits en toi. Oui. Voilà comment ma tante vient. Oh, oui, oh, je suis la tante. Oh. Oui. J'ai pris son étoile avec mon frère. On m'avait proposé son étoile parce qu'on avait un rite chez nous. Parce que ma mère est boulou et mon père est bamoun. Donc, on avait un rite chez les boulou. Quand l'enfant naît, on fait les bains traditionnels là en forêt pour arranger l'enfant. Donc, pendant qu'on faisait ce bain, au lieu de m'arranger, mon arrière-grand-mère, que je porte le nom même actuellement, prend mon étoile. Elle partage ça à ses petites filles préférées. Pardon, attends un peu avant que tu continues. Attends un peu, pardon. Tu sais quoi? C'est la première fois que j'ai quelqu'un en live. Je passe mon temps à dire les choses sur la chaîne. Si les gens croient que je suis folle. Vous entendez? Vous entendez? Pardon. Pardon, continue, mamie. Voilà. Donc, elle commence à parler. Oh non, j'ai donné mon étoile à ma fille, à mes filles. Et ces filles, je vous dis que mes cousines ont percé de genre de perçage que je ne dis pas qu'elles n'avaient pas. Mais le genre de perçage à un niveau que quand je suis arrivée au Gabon,
je suis redevenue zéro parce que j'avais abandonné ma vie au Cameroun. Du coup, quand j'arrive, mes cousines sont... Bref, je laisse le côté là. Ma tante dit... La femme là lui dit, mais ma tante dit, non, je suis déjà devenue pasteur. Je suis devenue pasteur. Mais la dame lui dit, tu es pasteur, mais tu fais quoi encore en elle? Elle dit, elle voulait déjà sortir, mais elle voulait quelqu'un qui l'aide à faire sortir. Et je tiens à préciser, Reine Lumière, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, parce que j'ai dit que je viens confirmer les dires que vous dites. Je ne viens même pas pour vous raconter. Vous avez dit un truc pertinent tout à l'heure que les personnes qui nous font du mal, quand elles sont avec nous, j'avais, quand j'étais généralement chez ma tante, parce que maintenant là je vis seule, quand j'étais chez ma tante, quand je venais d'arriver, vous savez, Dieu a mis en nous un sixième sens. Qui nous fait, même quand on est dans le noir, si un esprit passe dans, quand tu es dans le noir, un esprit passe, tu sais que quelqu'un est passé. Donc, j'avais cette impression-là, chaque fois que je suis assise, peut-être si ma tante est assise dans un coin de salon, moi je suis dans un autre coin. L'esprit me dit à moi que quelqu'un est en train de t'observer, ta tante est en train de t'observer. Mais quand elle m'observait, l'esprit me disait à moi qu'elle t'observe, c'est une observation de regret. Genre, elle ne sait pas comment me dire qu'en fait, la vie que tu mènes là, qui est dure là, parce que je dis que je menais la vie extrêmement dure. C'est moi qui suis la cause. En fait, je connais qui a fait, mais je ne peux pas te dire. Même quand je dormais, j'ai l'impression qu'elle est en train de me regarder et qu'elle veut me dire ça. Maintenant, pendant que je suis initiée dans la salle, la maison des rites d'initiation pour que je puisse voyager en monde spirituel, pour voir moi-même ce qui s'est passé de mon bas âge et tout, voilà comment ma tante elle-même me raconte toute la vérité. Mon Dieu! Mon Dieu! Maintenant, quand je reviens de là, je raconte au nom que quand je reviens de là, n'est-ce pas, si quelqu'un doit vous monter, quand je reviens de là, je sais que ma tante, elle-même en personne, ne m'a jamais avoué. Hein. Tout ce qui se passe là, c'est en spirituel. Hein. Oui. C'est son esprit en spirituel qui me parle. Oui. Mais quand je reviens de là, il y a sa fille qui s'est mariée, ma grande soeur qui s'est mariée. Quand je reviens de là, il s'agissait de partager les présents qu'on a amenés au mariage. Quand j'entre dans la maison, je venais de m'initier. Donc depuis l'initiation, elle ne m'avait pas encore revue parce que la dame qui m'a fait, qui m'a soignée, m'a demandé de prendre un peu de temps avant d'aller encore vers elle pour que le médicament et tout ce qu'on a fait sur moi puisse bien s'asseoir. Donc quand j'entre dans la maison de ma tante me fixe à l'entrée de la porte. Elle a senti que je suis arrivée où elle pensait qu'elle était cachée. Vous comprenez? Oui. Moi, je ne lui ai pas dit, hein, mais le regard, en fait, j'étais déjà spirituelle. Donc, le regard, voilà. Moi, j'ai compris que... Tu as dit quelque chose. Je m'assieds à côté de... Tu étais déjà spirituelle. Je m'assieds à côté de... Oui, continue. Voilà, justement. Je m'assieds à côté d'elle. Pendant que les gens sont en train de distribuer des trucs, mes esprits aussi, parce que... Quand tu es spirituel, tu as tes esprits protecteurs qui te protègent. Même quand quelqu'un veut faire du mal, ça te signale, il te parle à l'intérieur du cœur de la tête. Ma tante me fixe un regard poignant, le regard le plus poignant qu'on ne m'a jamais fixé. Quand je me retourne, nos yeux se croisent. Donc, et je tenais à signaler ceci, quand ton étoile est volée, tout ce qu'on te dit dans la famille, tu acceptes comme une maboule, comme une folle. Même les interventions dans la famille. Donc, même si tu as raison, tu connais ce que tu es en train de dire. Mais parce qu'il te commande spirituellement, voilà. Tu es toujours en train de baisser la tête. Oui, c'est vrai. Mais donc, tu deviens comme... même tes petites soeurs, même les petites soeurs de la famille m'ont commandé en ce moment-là. Ils m'ont commandé. J'étais devenue comme... Je ne sais pas. Comme leur enfant... Comme une personne qu'on dicte ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire. Ou bien quand tu dis ça, non, c'est nous qui avons toujours raison. J'étais devenue comme ça. Maintenant, quand je reviens de l'initiation, ma tante me lance le regard poignant sur le fauteuil. Elle me lance le regard poignant sur le fauteuil. Je lui demande directement, parce qu'auparavant, je ne pouvais pas avoir le courage de lui demander que, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'étais encore dans leur domination. Je me retourne, je lui dis devant tout le monde que ma tante, pourquoi tu me regardes comme ça, il y a un problème. Elle me dit non. Elle enlève le regard,
Les gens, elles peuvent regarder ailleurs. Mais quand je me retourne, elle revient encore, elle me regarde encore. Elle commence encore à me fixer. Je me retourne encore, mon esprit me dit, elle ne fait que te fixer. Il faut la mettre devant le fait accompli. Je lui demande encore, ma tante, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu me fixes comme ça? Elle me dit, non, rien. C'est que quand je te vois, tu ressembles beaucoup à ta mère. Tu me fais me rappeler ta mère. Hein? Je dis que tu sais ce que je sais que tu sais. Mais tu n'arrives pas à savoir comment. Voilà. Comment moi, je viens d'arriver au Gabon à moins de 6 mois. Je suis arrivée là-bas. Donc, je dis parfois que quand les gens t'ont fait du mal, Dieu passe toujours par une personne qui a participé. Donc, le fait de m'avoir accepté de me faire venir au Gabon ici a été pour moi une délivrance que Dieu voulait venir me soigner au Gabon. Mince. Wow. Parce que si je restais au Cameroun, partout où je pars, on me dit que ma chérie, tu devais déjà être partie depuis, ton pied était déjà de l'autre côté, mais où tu es partie là, la dame là t'a soignée. Et les gens pensent que quand on est dans le spirituel, on ne croit pas en Dieu. Je vous assure que moi, je suis une fervente croyante, je suis catholique. Oh, mamie, je vais te donner la bière. Je prie plus que les personnes qui ne sont même pas des initiés, qui ne font pas la tradition. Je dis que parce que j'ai vu la vérité là-bas, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur. Mais les gens blaguent avec la vie là. Il y a des petits secrets dans ça. Ce que vous avez dit, j'ai regardé une de vos vidéos où une fille a témoigné avoir fait des sacrifices au bord de la mer. Ici au Gabon, on dit que les Gabonais ont l'argent, c'est parce qu'ils respectent leur coutume. Et ils ne blaguent pas avec ça. Voilà. Quand vous allez ici, on les appelle généralement les ngangans. Quand vous allez chez les ngangans, quand ils te traitent, ils te disent tu dois faire le sacrifice aux esprits, à tes ancêtres, à ceci. Vous allez au bord de mer, les biscuits, les bonbons, tu peux pas les meilleurs plats que les gens de tes ancêtres. Maman, tu mixes un peu. Ma chérie, on va insulter en ligne ici là jusqu'à. Moi, ça m'a dit que le nombre de personnes qui ont été délivrées avec ça, on va faire l'autre aujourd'hui encore. Voilà. Donc, vraiment, je dis que je venais ici là pour témoigner que mes soeurs, ouvrez les yeux. Parfois, c'est Dieu même qui vous amène. Dieu là célèbre. Dieu célèbre le médicament là. Même quand tu veux même te soigner avec le médicament, si quelqu'un veut te faire du mal, tu dis Seigneur, je sais que c'est toi qui as créé les feuilles là. Moi, je suis venu parce que je cherche ma santé. Et ma tante, aujourd'hui, je ne vous dis pas, tous mes cousins et tout ce qui avait l'habitude de me brimer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est que quand je parle avec eux, je suis écoutée. Hein? Oui. Parfois, mon cousin peut venir dire, vraiment, hein, toi là, on ne peut plus rien te dire maintenant là. Vraiment, où tu te crois de ça pour qui? Est-ce qu'il peut encore te tenter? Oui. Non, il ne peut pas. Je ne suis même pas encore bien arrivé dans la spiritualité comme il faut. Mais je témoigne juste du peu que j'ai eu à faire. Et ça fait que même mes petites activités, tout ce que j'avais du mal à faire auparavant, actuellement je fais dans les produits cosmétiques et tout, ça sort comme des petits plats. Voilà. Ça sort ce que j'avais du mal. Je dis que ça sort comme... Et comme vous avez dit tout à l'heure là que... Maman, je suis... Vous-même quand vous voyez le profil là, je suis quand même une belle femme. Toutes mes copines auparavant pensaient que je serais déjà la mariée la plus avancée, la plus ceci, la plus cela. Mais je dis que le temps appartient à Dieu. Parce que c'est à mon âge que je viens de découvrir des choses. Si j'avais découvert ça depuis, je pense que je serais déjà même encore mariée depuis. Oui. Parce qu'il y a aussi une chose qu'on doit comprendre, c'est que la jeunesse a ce petit truc-là que... Quand tu es jeune, les hommes viennent rapidement. Mais quand tu atteins déjà les 30 ans là, même si ton étoile, on m'a lavé et toi, on m'a nettoyé, mais j'aurais un peu du mal. Mais je pense que Dieu est fort. Dieu est plus fort que toi. Merci beaucoup, la reine Ashley. Tu ne peux même pas savoir ce que pour moi, ton témoignage est comme un courant d'air frais ici. Parce que il y a une personne qui est dans le direct sur Facebook. Elle a eu cette situation-ci. Un jour, j'étais en train de faire un lavage. Sa tante, elle a parlé. Elle a dit comment elle a tué sa mère. Que ta mère était croyait que quoi? Elle a dit comment elle a bloqué les propres enfants de cette femme.
Et donc, comment à chaque fois qu'elle a fait que si un homme vient dans sa vie, comment l'homme va être bloqué? Si un homme veut lui donner l'argent, comment l'homme va être bloqué? Donc, tu sais, quand je dis souvent comme ça, hein, je préfère que ce soit une autre personne qui parle comme ça. Parce que parfois, quand je passe tous les jours, chaque jour, je suis en ligne, je parle que de ça. Parce que moi-même, je connais ce que ça a fait dans ma vie. On m'a bloqué aussi. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il n'est pas trop tard. Quand tu parles, tu peux pas sentir ton énergie est tellement. Je sens ta puissance. Je crois que toi-même, souvent, tu ne connais pas encore. Tu as déjà une puissance là que tu es en train d'activer. Je ne connais pas encore. Je ne connais pas, Reine Vivienne, je ne vous coupe pas. Je dis que je suis en train de me redécouvrir. Je suis déjà au niveau où je dors comme ça. On me montre un truc. Je appelle de quand je te dis que, oh, où tu es là, là. Après toi. Yes. Après, donc, en fait, la maman là m'a dit que c'est parce que je ne me connais pas. J'ai un don, ce sont ces trucs-là. En fait, parce que quand on est combattu, c'est parce que quand tu nais, Dieu t'envoie avec des trucs que les sorciers y voient. Et je tenais aussi à préciser ceci. Pendant mon traitement, parce que ce n'est pas seulement ma tante qui était là, il y avait aussi son petit frère, parce que mon arrière-grand-mère, comme tu nommais, avait partagé ça, en fait, avait des problèmes avec mon grand-père. Ma grand-mère s'est mariée deux fois. Elle a d'abord fait un premier mariage, elle a fait des enfants, deux enfants. Et quand elle se marie avec mon grand-père. Donc, quand mon grand-père arrive, lui aussi, il a fait de l'esprit, ils sont en combat. Donc, quand les enfants de mon grand-père font des enfants, dont Jean, ma mère, elle les prend, comme elle était créative praticienne, il faut l'avouer aussi, il y a des filles, ceux là qui sont méchants. Quand elle fait les bains là, elle prend les chances des enfants de mon grand-père, elle donne aux deux enfants de ma grand-mère qu'elle aimait le plus. Donc pendant qu'on est en train de me traiter dans la maison d'initiation, mon oncle en spirituel vient bagarrer avec la dame qui me traitait. Et la dame qui me traitait, c'est une Guinéenne. Elle me dit, moi je ne voyais pas encore en ce moment parce qu'elle m'a ouvert la vue, parce qu'on m'avait bloqué la vue. Il y a aussi ça, les gens qui disent que j'oublie. C'est parce qu'ils te bloquent, ils ne veulent pas que tu vois ce qui t'arrive. Ils ne veulent pas. Donc, pendant qu'on est en train de me soigner, mon oncle vient en spiritualité venir pour me tuer. Il dit à la dame qu'elle m'appartient, c'est mon poteau, c'est ma source d'énergie. Tu veux, qui t'a envoyé, qui t'a demandé? La dame l'a dit, mais elle est venue se soigner chez moi. Moi, quand quelqu'un vient déjà encore chez moi, je soigne, peu importe, parce qu'elle est venue chercher la guérison. Je suis une créative praticienne qui sert Dieu. Parce que j'ai peur de Dieu m'envoyer pour venir aider les gens pour soigner. Donc, il veut m'attraper pour me bastonner, pour me taper dessus. Moi, je ne voyais pas encore. En esprit, elle vient ancrée en esprit. Voilà pourquoi les patientes, là, elles doivent respecter les femmes qui leur traitent. Il vient me taper en esprit. La femme se lève en esprit. Elle attrape mon nom. Elle dit qu'elle a bastonné mon nom. Une semaine après, mon nom est mort. Elle m'a dit que la personne que moi, j'ai tapé ton nom en spiritualité, s'il vit, c'est que c'est pas moi. Une semaine après, on m'appelle mon oncle et moi. Et quand mon oncle meurt, je suis tombée, je perds connaissance. Parce que je pense que la perte de connaissance, que le même jour, la même heure, c'est parce que son esprit sortait en moi. Son esprit qui habitait en moi était sorti. C'est très fort, c'est très long de mon histoire, vraiment, mais vraiment merci. Parce que j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un qui me comprend, qui est peut-être au Cameroun. Il y a les Gabonais, quand les Camerounais viennent ici, il y en a qui viennent manger les mauvais médicaments. Mais au Gabon, ici, on soigne. Et même au Cameroun, on soigne. Il faut juste trouver, rencontrer des bonnes personnes, véridiques comme vous. Très important, la bonne personne, c'est ça. Voilà, et la parole, parfois même la parole. J'enseigne beaucoup parce que c'est que les enseignements, ça ouvre d'abord les yeux de la personne. D'abord, juste comprenne. Toi, tu as dit qu'au départ, tu ne croyais pas, non? Premier temps que tu es parti, on a dit que tu as refusé. C'est quand je suis à la salle d'opération. Parce que ici, même les médecins ici au Gabon, la plupart sont des initiés. Même s'ils ne sont même pas initiés, même au Cameroun, on sait que les médecins, quand tu as déjà opéré les gens, il faut avoir un petit truc. Donc quand je monte sur la table d'opération, le monsieur me dit que madame, on doit. Quand il me regarde sur la table d'opération, il me dit qu'il faut signer un papier que si tu meurs là, tu ne vas plus jamais te. Ce n'est pas de ma faute. Parce qu'il avait déjà vu ce qu'il y avait en moi. Oui. Il avait vu que j'étais en train de partir. Donc vraiment, il faut. C'est même à cause de ça que quand je me relève là deux semaines après, je suis obligée d'aller me soigner. Seigneur, je vais mourir comment? Et Dieu m'a déjà tellement préservé parce que ce qu'on oublie, c'est que Dieu nous met des anges gardiens derrière. Même quand on est innocent, qu'on nous a fait des plus petits, il faut savoir écouter ces anges gardiens. Parfois, même si tu rencontres du mal,
on te met une personne comme peut-être reine lumière comme ça pour te montrer, pour te parler de la vérité, pour que tu comprennes. Et si moi je n'avais pas écouté ce jeune homme-là, aujourd'hui, c'était mon ange que Dieu m'a envoyé, que je te l'envoie dans la vie, c'est pas seulement pour que tu sortes avec lui, mais pour qu'il t'amène où on va te délivrer. Mm-hmm. Mais si j'avais été... Vous voyez mes numéros, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit? Parce qu'il y a des gens qui demandent pendant que je parle, du coup, je ne veux pas qu'on coupe le direct. Voilà juste les numéros notés. Est-ce que vous voyez bien les numéros? Ce que tu es en train de dire là, ma chérie, non? C'est tellement... Tu sais, parfois on traverse quelque chose, on ne sait pas que ça va aider les gens demain. On ne sait pas que ça va aider. Tu as traversé ce que tu as traversé, hein, ma chérie. C'est en train d'aider les gens. Parce que, donc, c'est comme si tu as écouté tout ce que je disais depuis longtemps. Donc, ton histoire, je passe tout mon temps à dire ça. Et je vais, pendant que tu parlais, j'ai des points que je vais relater un peu aux gens. Tu as dit des choses très importantes. Tu as dit de ton autorité. Dans la famille, quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. Quand tu parlais, on ne t'écoutait pas. Combien d'entre vous, tu as 45 ans, on fait la réunion familiale, si je n'ai pas l'on s'en fout. Mais oui. Ouais. Eric, l'autre jour, mon oncle me fait un message. Il me dit que, ma chérie, quand tu voyages, il faut dire dans le forum familial. Parce que là où tu es là, tu es l'une des élites de la famille. Ça, c'est le petit frère de ma mère. Il dit que, donc, j'ai passé tellement d'années bloquées. Quand je... Écoutez, hein, l'affaire, si ça touche trop mon cœur, parce que je connais comment on m'a bloqué, moi-même. Et ils prennent ton autorité, ta vision. Tu as dit que tu as vu dans le monde de l'esprit, tu as vu ce qu'on t'a fait. Je dis que, reine lumière, ce qu'ils appellent Eboka ici, là, c'est le, je dis bien que... On est sérieux, là? Bon, je vais refaire. Oh Seigneur, vous savez quoi? TikTok vient de me bloquer parce que j'ai mis mes numéros sur l'écran. Oh, et le quantième. Bon. J'espère que vous avez quand même compris. Je crois que je vais continuer mon enseignement. Ceux qui m'ont sur TikTok, s'ils connaissent ma page Facebook, ils vont venir. C'était plus facile pour moi. Parce que vous demandez le numéro. Quand je veux m'arrêter tout le temps pour donner le numéro, c'est chiant. Bon, vous avez le numéro ici pour Facebook. Donc, je vais aussi donner un autre point qu'elle a mentionné. Elle a dit, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes que je suis spirituellement. Tes yeux s'ouvrent. Je ne sais pas combien d'entre vous. Oh, j'ai vu comment j'étais en train de prier mon ventre. Il y avait un serpent dans mon ventre. Et tu m'as dit, tu as tenu la main, le serpent est sorti. Tu m'as... Vous allez voir que... J'ai l'un des témoignages qui m'a vraiment marqué aussi, c'est celui de la dame qui est arrivée. Ça fait 2 jours, quand j'étais à la mer, là, dimanche. Elle me disait dans son témoignage que c'était à l'heure où j'étais à l'eau en train de faire son témoignage, son travail, son offrande à l'eau. À la même heure dans son pays, elle était en train de faire un rêve où, dans son rêve, elle disait, voilà le serpent dans mon ventre que depuis des années, il vole mon argent. Pardon. Voilà le serpent qui vole mon argent depuis, il est dans mon ventre, le voilà, le voilà. Vous allez supplier de savoir que toutes les voies par lesquelles ils vous ont bloqué, plus vous avez fait votre traitement, ce sera comme les peaux de l'oignon. Ça va s'éplucher un à un. Ça va s'éplucher. Vous allez voir. Et elle m'a dit que 2 jours avant ça, l'esprit l'a conduit à aller. Elle faisait que rêver de son ex-mari qui est mort depuis déjà 10 ans. Il faisait que réveiller dans ses rêves depuis. Et quand il revenait, il disait que tu es ma femme, tu es ma femme. Donc elle disait que elle faisait son deuxième jour de jeûne. Elle est restée comme ça. L'esprit lui a dit, va prendre le contrat de mariage que tu as encore là-bas. Ça fait 30 ans que vous êtes mariés. Il est mort depuis 10 ans. Et avec son nouveau mari, elle est mariée depuis 25 ans. L'esprit lui a dit, va prendre ça, tu peux brûler. Elle a pris, elle est partie, elle a brûlé. Elle dit que quand elle a brûlé ça, elle a senti comment
Et c'est un esprit sorti d'elle. Et il y a aussi quelque chose qu'elle disait. Vous êtes la source d'énergie de ces gens-là. Quand on voit ton étoile, c'est comme si tu es leur banque. Chaque fois, ils reviennent. Chaque fois, ils reviennent. Il y a même une jeune femme comme ça que je suis toujours. Beaucoup d'entre vous, hein, je vous ai seulement dit, accrochez-vous, parce que votre traitement va durer. Il y en a, c'est depuis 7 mois que je suis en train de travailler sur vous. On fait première étape, deuxième étape, troisième étape. Certains, c'est jusqu'à ce que tu puisses venir au Cameroun ou bien que tu viennes au Gabon peut-être pour me voir. Parce qu'il y a des couches, il y a des couches. Et même quand tu es délivré par couche, par étape. Tu peux d'abord être que c'est ton business qui est d'abord fait. Après, tu rencontres quelqu'un, le mariage. Après, tu enfantes. Après, tu voyages. Tu vois que c'est en étape. Elle a encore dit quelque chose. J'ai une de mes filles aux États-Unis. Quand la petite, là, je l'avais, c'est moi qui l'avais contactée. Parce qu'elle était une de mes amies sur Facebook. Donc, quand j'ai commencé ceci, parce qu'avant, j'étais seulement pasteur. Je faisais pas le spirituel, le traditionnel, en fait. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les cœurs. Donc, elle venait d'arriver. Quand elle venait d'arriver donc, excusez-moi, je suis en train de gérer les offrandes pour l'eau, mon offrande tout à l'heure. Donc je l'appelle, je lui dis, le numéro WhatsApp c'est le 00237-693-50-22-66. 693-50-22-66. Je contacte la dame, je lui dis, tu as besoin de ça, ça, ça. Elle discute. Elle est un peu perplexe. Un jour, peut-être 2-3 semaines plus tard, elle me contacte. Elle dit que tu sais, j'ai encore bien réfléchi à ce que tu m'as dit. Quand elle regarde toutes mes cousines, elles sont avec les sénateurs, elles sont aux États-Unis, hein, que tout ce qu'elles font, ça marche. Moi, je suis en train de ramer. Les sites que je dis là, après, me dit, tu sais quoi? Lançons le travail. J'ai commencé d'abord. Vous savez que c'est en étape. Ceux qui ont commencé, vous savez que c'est en étape. Elle commence. On fait d'abord le lavage. On finit le lavage à distance. Je ne les ai pas touchés. Beaucoup, tous ceux qui sont en Europe là. Depuis 3 ans, je ne suis pas là en Europe. Donc, je ne vous ai pas encore vu. Je commence mon travail. Une semaine après, elle a l'argent. Pam, elle va à Dubaï. Elle arrive à Dubaï. Opportunité de business. Elle rentre dans son nouveau business. Pam. Après ça, il y a les kits que je lui ai envoyés. Je crois que j'ai encore fait 2-3 choses en plus. Elle reçoit ça. 2 mois et 1 semaine plus tard, elle me dit, maman, je viens de rencontrer un blanc, riche, spirituel, beau, jeune. Il veut seulement qu'on se marie. Que le tout, si je ne peux même plus m'amuser, maman, dis-moi seulement ce qu'il faut. À tout moment, vous avez toujours des opportunités. Vous avez toujours... C'est comme une ouverture dans le ciel. Et maintenant, elle a aussi dit quelque chose pendant qu'elle faisait son témoignage. Que malheureusement, c'est les Camerounais, on ne nous a pas éduqués. Quand on dit initier quelqu'un, ça veut dire qu'on te montre comment quelque chose fonctionne. On te montre comment... Tu arrives peut-être dans une entreprise, il y a des appareils, tu ne connais pas utiliser les appareils. La personne qui te prend pour te former pour utiliser l'appareil là, il est en train de t'initier. Donc le mot initiation là, arrêtez de faire ça dans votre tête comme si c'est la sorcellerie. Même le mot sorcellerie n'est pas mauvais. Parce qu'il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie. Un sorcier, c'est quelqu'un qui connaît les lois spirituelles, qui connaît les utiliser à son avantage ou pour faire du mal ou du bien aux gens. Parce que sinon, quand vous allez, il y a aussi les vêtements. Quand vous voyez quelqu'un porter un vêtement bizarre,
Pour vous, c'est genre, ah. C'est pour ça que vous voyez, je casse tout ça. Parfois, je m'habille comme une musulmane. Il y a des jours où partout ici, on m'appelle seulement Adja, Adja. Je dis oui. Souvent, j'arrive, on me parle musulman. Il me parle en la langue comme ça, je dis, Il rit, il dit que tu ne comprends pas. Donc, je dis oui. Pourquoi tu m'as vu habiller comme ça? Tu as cru que je suis. Non. Il y a des jours où je m'habille comme une babileke. Les jours où je m'habille comme une ivoirienne. Les plantes, la terre, le feu, l'eau, l'air, ça nous a été donné. Ça nous a été donné. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas utiliser les outils que Dieu a donnés. Supposons que tu es à la maison, il y a la nourriture au frigo. Il y a la nourriture au frigo. Vraiment. Il y a la nourriture au frigo, hein. Tu as faim. Tu es là. Dieu gagne Solange. J'ai donné le numéro WhatsApp. Et si tu regardes en haut de la vidéo, tu vas trouver. Je ne veux plus m'arrêter pour donner les numéros tout le temps. Je vous en prie, faites l'effort. Voilà, l'initiation permet de connaître notre plan de vie et la connaissance de soi. Tu as la nourriture au frigo, tu as faim. 2 jours, tu as faim. 3 jours, tu as faim. La mère rentre et dit que c'est quoi? Tu n'as pas mangé. Elle dit, mais voilà l'oignon, voilà l'ail, voilà le riz, voilà le gaz, le réchaud. Pourquoi tu n'as pas préparé? Tu as les outils et tu souffres. L'affaire de commandement, c'est là. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas savoir comment l'autre là me touche en particulier. Il fut une époque où ma parole là, ok, Yasmine a dit, les médecins, les derniers praticiens, tous ces gens portent un habit. L'habit porte une onction en elle-même. Voilà. Merci Yasmina. Vous allez remarquer que quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, et surtout ça affectait votre capacité à parler. Tu avais quelque part, tu avais peur. Même pour la prière, tu as de prier pour toi. Seigneur, bénis-moi. Amen. Il dit que j'ai dit une de mes filles là. Elle a eu fait un rêve dans lequel elle avait sa foi, elle prenait elle-même sa délivrance. Parce que moi, je suis une facilitatrice de destinée. Le travail qu'on va faire à l'eau, ça va se faire à 16h dans la soirée. Je ne vais plus faire à midi. Ça va dans la soirée. Donc on va aller faire le barbecue. Ou le barbecue, on appelle ça comment? Le pique-nique, pardon. On va aller pique-niquer avec les ancêtres à l'eau là-bas. On a fait un rite dimanche. Ils ont donné une autre instruction. Ça, c'est pour activer vraiment les pouvoirs des choisis. Donc il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'étranger. Vous avez souscrit à ça. Donc c'est de ça que la reine Emine parle. Donc, cette reine-ci, elle me dit que dans son rêve, elle est en train de prier. Et c'est une femme qu'il y a de cela 2 mois. Elle ne connaissait même pas ouvrir la bouche pour dire que « i ». Tu t'assois avec pendant 1 heure, elle te parle de ses problèmes pendant 1 heure. Mais dans la voilà, je vais reprendre, je vais aller travailler avec mon mari. Voilà, on va ouvrir le business là-bas. Ouais, notre chiffre d'affaires, on a fait 500 millions avant la fin de l'année. Voilà, comment ça, voilà, là, voilà maintenant. Elle me dit qu'il y a quelques années, elle était une femme d'affaires puissante. Attaque, vol d'étoile. Le passage que je vais vous lire, pour déclencher cette restauration d'étoile, la première chose que vous allez faire, c'est de croire. Je remercie le Seigneur pour le témoignage de cette femme-ci parce que beaucoup de choses que j'enseigne ici, c'est l'Esprit qui m'enseigne. Il ne parle pas sur une page plante, ça. Je dors, il me montre dans la nuit. On me dit que dis ça, va leur dire ça, ça, ça. Je me lève, je dis. Même le rituel qu'on va faire tout à l'heure, là, à 16h. Ou dimanche, ils m'ont dit de faire. On est parti, on a fait. Dans la nuit de dimanche à lundi, ils me disent que vous nous avez donné à manger, mais vous n'avez pas mangé avec nous.
Donc revenez manger avec nous. Et deuxième chose, revenez pour activer votre pouvoir. Revenez pour activer. Toute la nuit, c'est ce qu'il disait. Donc vous devez croire. Tu dois croire que tout dans ta vie peut être restauré. Jusqu'à tu restes comme ça. 19 ans, ta fille rencontre son gars. Un milliardaire russe ou suisse, je ne sais pas. Qui est pieux, qui est spirituel. Ou bien milliardaire camerounais, en fonction de tes goûts. Tu écris tout ça maintenant. 22 ans, elle se marie. 22 ans et 9 mois, elle accouche. En 4 ans, elle fait 4 enfants. Il dit que tu peux donc, tous tes blocages là, tes enfants ne verront plus jamais la couleur de ça. Donc tu dois d'abord croire. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous, quand vous venez ici, vous plaignez. Wow, 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 wow. Je dis que ouais. Ne regarde pas ce dans ce dans quoi tu es. Et si tu me contactes, tu me regardes, tu n'as pas l'argent, ne te dérange pas. Je ne suis pas pressée. Parce que je sais que je suis dans votre vie, que Dieu m'accorde la longue vie là. Et il va encore bien, j'ai encore beaucoup d'années. Vous allez vous lever. Il y en a parmi vous, vous allez sont venus faire les dons seulement de vos dons de voiture. Que tu achètes la voiture brand new, tu viens, tu me donnes. Et en me donnant que moi-même, j'ai un 5 qui m'appartient. Pas que j'attends vos voitures pour devenir riche. Vous-même, vous connaissez mon arrogance là-dessus. Tu vas te lever. Tu prends, comme ça, tu fermes le trou de ta vie. Tu prends, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Dans quelques années, tu vas regarder ta vie comme ça, tu vas dire que yeah. Puis même si tu n'as pas fait pour dimanche, il y a les gens qui sont en train d'envoyer encore leur soupe pour faire. Parce que je vais encore refaire le rituel que j'ai fait dimanche et puis on va faire. Après ça, on va faire l'activation du toit. Donc. Yes, so, je vais vivre l'autre. Amen. Donc, tu la crois. On va arriver à Matthieu chapitre 5. Ah, c'est le passage qu'il m'a donné hier. On va mettre du 13 jusqu'au 15. Vous êtes le sel de la terre. Verset 14. Ne lisez pas tout. Vous êtes la lumière du monde. Te voilà. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Maintenant, le verset clé, c'est le verset 15. Si j'allume ça, je prends, je mets en bas du lit. On ne va plus voir là. Les gens ont pris votre étoile, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Mais l'étoile est toujours là. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Tu es né pour avoir les bonnes œuvres. Vous là que vous dites que ça arrive, non. C'est ton droit. Maintenant, quand tu fais ta restauration d'étoile, Josiane Ali m'a continué de dire que ton mari t'a envoûté, tu as compris. Continue seulement ma chérie. Je vois tes messages chaque jour. Tu es ce que tu dis, ok? Je prends mon étoile. Je me dépose en haut du chandelier et j'éclaire toute ma ville. Je suis la lumière de ma famille. Je suis la lumière de ma ville. Aujourd'hui, quand on va faire le rite à l'eau, là, voilà, ce sera ça votre prière. Que mon étoile me soit restaurée. Que mes dons me soient restaurés. Que ma lumière soit restaurée. Je crois qu'on va d'ailleurs faire, ceux qui vont suivre ça, vont faire avec des... vous devez prendre des bougies.
Je vais vous demander d'acheter les bougies. Vous me suivez, non? Je veux que vous ayez beaucoup de patience envers vous-même parce que c'est quelque chose qui va aller de couche en couche, de couche en couche. Supposons qu'on a mis 15 couches de blocage sur toi. Ou bien il y a 15 tuyaux qui sucent ton énergie. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu pries dessus. Tu te laves avec. Un tuyau quitte. Le tuyau là libère l'argent. Tu dis ok, tu commences à faire ton travail. Tu achètes un kit. Ou bien tu pars ton. Il y en a parmi vous, vous m'avez encore contacté. Et ça fait même 3 mois que vous faites ce que je dis. Après, il y a un monsieur qui a fait un témoignage hier. Je crois que je vous l'ai lu. Attendez, je vais voir si je peux la voir à nouveau. Je rappelle que l'homme-ci ne m'a pas contacté depuis un mois. Je suis, il dit son nom. Je commence ce matin par rendre grâce à Dieu pour le travail de fond que vous faites pour nous ramener sur la voie. Mon témoignage de ce matin est au sujet de ma vie qui a basculé, car quelques jours avant de m'abonner sur votre page, j'étais à bout. Je parle des choses de un mois en arrière. Ce témoignage, c'est depuis hier. J'ai tout d'abord commencé par le bain de sel. Et la semaine passée, j'ai brisé cette chaîne avec l'œuf. Et depuis quelques jours, que de bonnes nouvelles. J'ai un dossier administratif pour une autorisation à l'école de formation professionnelle que j'attendais depuis près de 10 mois. Cela est sorti. J'ai un véhicule avec lequel je me bats pour joindre les deux bouts. Et depuis que j'ai acheté le véhicule, vraiment, je n'ai pas la paix. Car dès que je traverse 5 francs, la voiture tombe en panne et bouffe tout, me laissant plutôt dans les dettes. J'ai le problème de la voiture qui a été résolu ce week-end, au point où les voyages que je faisais en 6 heures ont été réduits à moins de 4 heures de route. Depuis près d'un an, j'ai lancé l'élevage des porcs. J'ai croisé à plusieurs reprises sans succès. C'est pour finir. Les deux femelles sont tombées en gestation et une a déjà mis bas. L'idéal, c'est la réconciliation spirituelle avec mon épouse. Vous voyez, quand il raconte sa vie, l'homme n'a jamais acheté un kit chez moi. Il a seulement fait le sel et les prières que je vous donne ici. Vous voyez qu'elle était bloquée de tous côtés, non? Attendez, je lui réponds. Pour le rituel à l'eau, vous voyez qu'elle était bloquée de tous côtés et il a commencé à prendre sa propre restauration avant de venir. Et parfois, votre problème, oui, monsieur, envoyez l'argent pour l'offrande à l'eau. Normalement, je demande minimum 20 000 francs pour les gens qui vont faire en groupe et 45 000 francs pour les gens qui feront en privé. Donc, voilà. Je me suis rendu compte qu'il m'avait envoyé un message et je n'avais pas répondu. Vous allez commencer votre marche progressive. Pour certains, ce sont vos enfants aussi. Après, vous allez ajouter le boulot dessus. Après, vous allez ajouter le mariage dessus. Après, vous allez ajouter l'enfantement. Mais quand l'enfant commence, tu sais. Et une chose t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre. L'autre t'encourage pour que tu continues pour obtenir l'autre. C'est comme ça. La Bible dit on va de gloire en gloire. From glory to glory. You go from glory to glory. Tout ce que j'avais pour vous ce matin. Mais croyez que peu importe votre âge, peu importe l'âge que vous avez, vous allez être restauré.
Même le mariage, je vais te marier même à 47 ans. Ce sera sucré. Le genre de mariage, c'est sucré jusqu'à. Crois en ça. Voilà. Je déclare pour toute personne qui a écouté ceci, selon Matthieu 5, au verset 15, je viens nettoyer votre lumière qui a été couverte, cachée. Je vous enlève de l'endroit où vous a déposé et je vous mets sur un chandelier. Je vous mets sur un chandelier pour que vous puissiez briller, que toute la pièce voie. Je restaure votre destinée. Tu l'as envoyé, tu l'as fait ton. Tu envoies le OM ou le M, le Momo. Croyez que même à 50 ans. Écoutez, quand on fait les offrandes à l'eau, il y a le sucre qu'on donne, même le miel. On dit que prenez l'autre-ci et apportez le goût dans la vie de la personne-ci. Écoutez, l'offrande qu'on a faite dimanche, c'est parce qu'on m'a pas encore donné le feu vert pour filmer quand je suis à la mer. Donc du coup, je ne peux pas faire ça sur Facebook. C'est seulement ceux qui sont en privé, on fait ça sur Zoom. Dimanche là, la puissance de ça. Peut-être qu'elle est venue au Cameroun, je vais faire avec vous là-bas, mais il y a quelque chose dans l'eau de Libreville, c'est là, mon frère. Jesus! Cette semaine, je suis parti au moins avec trois, je suis allé faire 4 personnes à l'eau. Toutes les personnes ont été répondues. Donc, l'autre, c'était qu'elle avait. On était venu fermer ses magasins parce qu'elle devait 18 millions. Il l'amène là-bas. On parle. On finit, elle part directement aux impôts. 18h, elle m'appelle, elle me dit que j'ai ouvert tous mes magasins. Et devine combien ils ont demandé. 2,5 millions. On avait fermé parce qu'elle devait 18 millions. Ils ont annulé, pas qu'elle va payer plus tard. Annulé. 2,5 millions. Hier, il y a une dame qui, pendant le direct de celle-là, a témoigné que oh, sa ménagère qui avait pris ses habits ne voulait plus lui donner depuis. Celle-là aussi, elle l'a amenée à l'eau. Là-bas, c'est tellement activation du pouvoir. Elle dit que dans la nuit, elle me rappelle le lendemain, que dans la nuit, elle me montait les médicaments. Médicaments. Elle est dans la banque, en fait, c'est une banquière. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de Gabonais sont banquiers. Enfin, beaucoup de clients qui viennent à moi sont banquiers. Les clients gabonais. Et elle a des dons spirituels. Les ancêtres ne font que lui dire depuis que lance-toi. Donc elle m'appelle le matin. Que toute la nuit, on a monté les médicaments. Montrer. Et ça m'a ri. Bon, écrivez le numéro 655-31-0750. 00237-655-31-0750. Ça, c'est sur la vidéo en haut là. Prenez les numéros des gens en haut là-bas. Vous cliquez, vous prenez aussi le numéro. Non, ouais. Vous voulez qu'on coupe seulement derrière vous. Ouais, Seigneur. Donc, hier, pendant le direct, elle dit donc que sa ménagère qui avait pris ses habits depuis. Elle est venue donner ses habits là et elle est partie en courant. Elle s'en fuit. Elle a fui. C'est bien parce que vous êtes en train de vous ouvrir. Dans quelques temps, vous serez même plus fort que tous les gens-là qui vous ont opprimé. Jésus Sauveur, tu peux lave-toi de laver le sel aujourd'hui en attendant que les produits viennent à toi. Tu es dans quel pays? Je suppose que tu es au Cameroun ou bien. Tu peux prendre le kit de déblocage normal d'abord. Tu fais ça avec 3 jours de jeûne. Pour ceux qui sont vraiment... Le kit de déblocage normal, c'est 25 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 30 000. Il y a aussi le kit déblocage plus plus. L'autre là, c'est vraiment pour les gens envoûtés. 98% des gens ont ça dans eux. Il y a toujours un truc qu'on a mis dans toi qui te dérange. L'autre là, tu prends le kit de déblocage plus plus.
Bon, tu peux voir la représentante de Côte d'Ivoire aussi. Tu prends des produits chez elle. Il y a le kit de déblocage. Et je rappelle aussi qu'il y a les kits que vous pouvez faire plusieurs fois. Non, non. Ne fais pas ton choix. Tu prends le kit. Tu peux commencer par le kit fondation. Parce que quand je lis tes messages, tu as vraiment la volonté. Prends le kit fondation. Josiane Alima, comment tu dis que comment faire pour aller en mer? J'ai des gens au Cameroun qui m'ont envoyé leur argent pour que je les amène en mer. Ok, je ne vais pas te faire le truc en mer aujourd'hui. Quel que soit l'endroit du monde où je suis, quand je n'ai pas fait les choses, connectez-vous seulement pour voir. Vous faites pour vous. Ok, moi également, je veux témoigner ici aujourd'hui. Vous étiez chez vous, chez moi pour prendre les produits pour le déblocage. En ce moment, mon mari avait des problèmes, mais grâce à vos conseils et la prière de tous les jours, le sel de tous les jours, le kit de déblocage, il a été libéré. Pourtant, avant que je vienne vers vous, rien n'allait pour lui pendant cette période. Merci. Ok, merci pour ton témoignage, Christelle. Si vous venez de tomber sur ce que je dis, aujourd'hui, en attendant d'acheter vos produits, lavez-vous avec le sel. Aujourd'hui, là, comme tu ne t'es pas encore lavé, donc il est 7 heures. Lave-toi avec le sel. Aujourd'hui, là. La semaine passée, il y a une dame qui m'a écouté comme ça sur TikTok. Elle s'est lavée avec le produit à 14 heures. Le lendemain, à 16 heures, elle revient vers moi, elle me dit que, comme elle s'est lavée à 14 heures, le lendemain, à 8 heures, on l'a appelée. Elle a travaillé. Et puis, il y a une formation qu'elle avait appelée depuis. On l'a appelée pour dire qu'elle a eu l'accès à cette formation. Une formation sera payée par le gouvernement, bien sûr. Il y a le kit fondation. Le kit fondation est très important. Si vous m'écoutez, vous avez appris d'autres équipes, mais vous n'avez pas pour le kit fondation, prenez le kit fondation. Parce qu'il y a les choses, il y a les malédictions générationnelles. Et beaucoup de vos blocages viennent toujours des gens de votre famille. C'est là-bas que ça commence. Dans le kit fondation, il y en a qui font même ça pendant 3 mois. Donc le mois, si tu fais, le mois prochain, tu fais, le mois d'après, tu fais. Après, il y a l'étape où tu fais le lavage, tu envoies ta photo. Donc quand tu prends le kit fondation, envoie ta photo, je te fais un lavage. Il y a l'offrande à l'eau. Si tu n'as pas encore fait ça avec moi, fais. Pardon. Il y a aussi, après ça, quand tu as fait ça et que tu te remets déjà un peu, là tu peux commencer à faire des sacrifices. Voilà la reine Christelle Moncam, que le sel fait des miracles. Josiane Ali Mathieu, si tu es au Cameroun, tu fais l'Orange Money. 693 50 22 66. Le don pour l'eau, si tu veux faire en VIP, c'est 45 000. Tu veux faire collectif, c'est 20 000. Mais les deux sont puissants. VIP, c'est juste que quand je fais ça seulement avec toi. Je te ménage avec les autres. Beaucoup de vos problèmes viennent des fondations. Tu as les problèmes d'accouchement, tout ça, c'est fondation, mais c'est à la base. Donc tu dois gérer ça. Tu prends un kit, tu fais. Beaucoup d'entre vous n'avez même pas encore commencé à faire quelque chose. C'est un traitement sur une longue durée. Bon. Je vous bénis. Les numéros sont dans la vidéo. Cameroun 00237 680 71 07 01. 00237 680 71 07 01. Deuxième numéro Cameroun. 00237 655 31 07 50. 655 31 07 50.